Et ensemble, nous sommes le Diamond Painting Squad. Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Vie d'une maman passionnée de diamants. Aujourd'hui, cette semaine, c'est à mon tour de vous lancer la question du Diamond Painting Squad Quiz. Donc, excusez, ma fille me fait vraiment rire. On en est à la semaine 31 déjà. Et puis, la question cette semaine, c'est est-ce que vous avez fait connaître le Diamond Painting à d'autres personnes? Donc, est-ce que vous avez permis à d'autres personnes de découvrir le Diamond Painting et qui sait peut-être de devenir aussi accro que vous? Donc, personnellement, oui, ça m'est arrivé. Parce que je fais du Diamond Painting depuis peut-être 3 ans déjà, là. Donc, j'ai commencé à en faire... Quasiment quand ça a sorti, là, finalement. c'est ça. Et puis, ben en partageant une de mes toiles sur Facebook, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, de mes amis Facebook qui ont commenté ma publication. Et je sais que quelques personnes ont essayé et en font encore aujourd'hui. Donc de mes amis Facebook, j'ai entraîné quelques personnes dans le vice du Diamond Painting. Sinon, il y a ma mère qui a fait une toile, mais c'était comme une 60 par 80, donc c'était une grosse toile. Mais ma mère a fait plein de choses, elle fait du tricot, de la peinture, fait que c'est ça... Là, ce temps-ci, elle tricote des bouts. Fait que le Diamond Painting est mis de côté. Mais oui, ma mère. Et puis, la blonde à mon père aussi. Qui en fait également à cause de moi. Et je lui ai même donné un de mes crayons. Parce que je trouvais qu'elle faisait pitié avec son petit crayon rose. À part de ça, est-ce que j'ai fait connaître le Diamond Painting à d'autres personnes? J'ai pas de mes amis proches à part les filles du squad que j'ai connues grâce au Diamond Painting. Qui en font? J'ai deux mamans de petits que je gardais. Qui en font maintenant aussi, à cause que à chaque fois qu'ils rentraient chez nous, ils voyaient toutes mes toiles, mes 50 000 projets commencés, mais pas finis, là. Ils étaient bien impressionnés de ça, fait que je leur ai comme donné mes petits conseils pour bien débuter. Sinon, dernièrement, j'ai l'éducatrice spécialisée de mon garçon aussi qui m'a écrit pour que je lui explique un petit peu comment ça marche, les commandes et tout, là. T'sais, pour pas se faire avoir avec les partiels, puis les diamants ronds, diamants carrés. Donc, bref, j'ai fait connaître le Diamond Painting à quelques personnes. C'est tellement un beau loisir. Donc, voilà. C'est ma réponse à moi. Vous pouvez... vous aussi répondre dans les commentaires de ma vidéo. Vous pouvez également répondre sur le groupe du Diamond Painting Squad. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo comme à l'habitude. Ou vous pouvez aussi répondre sur les différents réseaux sociaux en utilisant le hashtag Diamond Painting Squad Quiz avec 2 Z. Et puis sur ce, ben, je vous invite au courant de la semaine à aller visionner les réponses de mes amis Squades directement sur leur chaîne. Je vous mets comme à l'habitude un lien direct vers leur chaîne YouTube dans la description. Et puis ben voilà, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Bye bye!